Sans lunettes, sur scène, je ne vois rien, et surtout pas les spectateurs. Ces vingt dernières années, les lumières des spectacles dans lesquels j'ai joué séparaient les acteurs du public, à moins de le regarder vraiment, comme le faisait Madeleine Renaud. Elle comptait les gens. Pourtant, elle avait des rôles très difficiles. Pendant sa vanne elle me disait :« Il y a quatre cent quatre-vingt-dix-sept personnes ce soir, ma petite chérie. » Elle me donnait le détail tout de suite en sortant de scène avant de retourner sur le plateau salué. Elle se renseignait avant la représentation sur la quantité de billets vendus, puis elle vérifiait le nombre à un fauteuil près. C'est très étrange car elle aurait pu se contenter des informations de la billetterie, mais il y a toujours des absents ou des gens qui viennent alors qu'ils ne sont pas prévus. Madeleine avait l'art des rappels. Elle savait comment les faire venir. Le plus souvent, après trois ou quatre saluts, les acteurs estiment que les gens sont fatigués, qu'ils ont envie de rentrer chez eux, tandis que Madeleine retournait à toute vitesse saluer. Elle disait ⁇ On a eu sept rappels, huit rappels ⁇ ou alors ⁇ Aujourd'hui on a très mal joué, on n'a eu que six minutes d'applaudissements. En ce moment, j'adopte la méthode de Madeleine Renaud, parce que ça m'amuse, parce que je pense à elle. Tout le monde est estomaqué. Pourquoi tu cours après les rappels, Bulle Vous ne connaissez pas la technique de Madeleine. Si on part au fond du théâtre, on ne peut plus revenir. Madeleine prenait tellement tout à cœur. Le théâtre était l'entièreté de sa vie. C'est Marguerite qui disait toujours que Madeleine ne savait rien faire d'autre que jouer. Rien de rien, pas même se coiffer. Elle ne savait même pas se faire cuire un œuf. Moi, je ne sais pas faire grand-chose, mais je sais me faire cuire un œuf. Heureusement qu'elle avait Jean-Louis. Il était son répétiteur, son assistant. Il lui a apporté tous ses auteurs Beckett, Genet, Nathalie Sarraute, Duras. Tout le monde a toujours tapé sur Jean-Louis. Et aujourd'hui, j'essaie de rétablir une vérité, car il s'est dévoué corps et âme à sa femme. Il a laissé tomber ce qu'il aimait le plus au monde, jouer. Pour dès 10 heures du matin, la faire répéter. Puis ils allaient déjeuner au théâtre, puis de nouveau il y avait la répétition. En fin de journée, ils prenaient beaucoup de vin blanc pour faire passer l'ennui. Et elle, elle n'était que dans son travail de comédienne, qui excluait tout autre centre d'intérêt ou d'attention.